Dego. 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 Awesome. Hoteli usu na fika rompwe bedeje una fika rompwe chukudu kila kitu chakula nzuri wasani wote napenda sana they go they go nataka sana they go nataka sana they go wasani nzuri takuta wiki ina utape melisa neta mukuta linja penda sankuta sana. Kama Mishkar Production. Production. Ndugu zangu marafiki mujemu muone, muone. Mama somo nzuri tunazo mazunguka hapo na hapo. Na no, mujemu muone. Yeah, 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 yeah. Tunazo. Hapa Goma ni kwetu, siwezi kupasa au. Hapa kuna mambo mazuri sana. Ukifika Goma utakutana Binas Balee. Fongoji, ni wengi sana, sita wasema sababu na nyuna wadua. Dego, Dego, Dego. DJ Ben Beats. Dego, Dego, Dego. Kukula ugali na sumbi. Ona tunazunguka na mbuga la wanyama la Virunga. Ona volcano Nyiragongo. Hei wanzuri ya ziwa la Kivu. Goma ya Musanya. Goma ya Vanibishweka. Goma ya Kanyamuanga. Goma ya Serufuli. Goma ya Papika Wembe. Wageni karibuni kwetu we. Nous sommes à l'Institut supérieur des techniques et de gestion des affaires de Goma, ISTG à Goma. C'est le samedi 31 août 2024. La cérémonie de soutenance est très mouvementée car c'est la première promotion du système LMD. Dans l'une des salles de la défense, un événement exceptionnel. Kambale Kiana Philippe, un surdoué en technologies informatiques. Devant le corps professoral, les parents et les camarades, il présente les logiciels pouvant faciliter la surveillance du parc national de Virunga et le volcan Nyiragongo Nyamuragira. Cette démonstration pousse à l'auditoire à se transformer en reporter occasionnel. Et pour essayer de pallier au problème du braconnage et du boisement, nous avons songé à concevoir un système qui pourra faciliter la surveillance du parc moyennant les radars. Et donc, les systèmes que vous voyez ici devant vous est constitué des radars et des capteurs de mouvement. Je pense qu'il faudra mieux projeter des images pour plus d'explications, si possible. Tel que vous le voyez, donc les radars viennent à construire à une tension et ils commencent sa rotation. Du monsieur qui vient d'être détecté. Je pense que s'il y avait du cas, il pouvait attendre des sons qu'il faut les douzer. Je pense que là, vous attendez. Oui, on attend.
viennent d'entrer en éruption. Et si nous essayons d'interroger nos amis qui travaillent dans les ONG, ça fait partie des phénomènes, des catastrophes naturelles. ISTG à Goma, qui se distingue avec la sélection des meilleurs enseignants, professeurs, chefs de travaux et assistants pour assurer ces enseignements de qualité comme vision, organise les enseignements selon le système LMD dans le domaine des sciences économiques et gestion, dans le domaine des sciences économiques et de gestion, avec filières comptabilité, finance, fiscalité, douane et accise, banque, microfinance et assurance, logistique et transport, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des petites et moyennes entreprises, dans le domaine des sciences et technologies, filière des sciences informatiques, mention système informatique, réseau et télécommunications. Ajoutons aussi le domaine des sciences de l'homme et des sociétés et ses filières. Mademoiselle Glorieuse Kasongo, étudiante finaliste à l'ISTG à Goma, s'est focalisée sur les impacts de l'insécurité dans la ville de Goma où la criminalité bat la hauteur. Bon, mon travail était sur un sujet qui touche vraiment la population de la ville de Goma négativement. L'impact socio-économique de l'insécurité dans la ville de Goma. Qu'est-ce que vous avez traité concrètement? En fait, nous avons cherché à évaluer quels sont les impacts de l'insécurité, le facteur, mais aussi chercher à apporter des pistes de solutions. Et sur ces, nous avons trouvé comme impact, il y a le déplacement massif de la population dans le milieu rural qui donne le surpeuplement et apporte plus de sécurité dans la ville de Goma, mais aussi la surtaxation de différents produits. Nous avons aussi le denrées alimentaires qui augmente à forte vitesse parce que les régions agricoles qui fournissent le céréal ne fournissent plus à cause de ces combats, guerres, insécurités qui ne cessent d'accroître dans la province du Nord, qui vous surtout cas de la ville de Goma. Et ce qui concerne le facteur, nous avons constaté que les facteurs de l'insécurité, il y a des facteurs politiques, administratifs et techniques, tels que la déception de la vie à cause de l'instabilité économique et autres. Concernant les pistes de solution, nous avons proposé la sensibilisation des habitants de la population de Goma sur la cohabitation pacifique, mais aussi nous avons proposé d'aller vers nos autorités et leur rappeler leur rôle à jouer vis-à-vis du principe de la protection et de la sécurité de la population de Goma. Voilà, c'est un peu la synthèse de ce que je fais comme travail. Mais aussi, j'ai proposé un projet de sensibilisation de la population et renforcement de la sécurité dans la ville de Goma. Voilà le bref de ce que je fais comme travail. Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, 90% des maisons sont construites en planches, chose qui cause les incendies d'une manière presque permanente. Monsieur Mumbere Mitterrand, son travail était axé sur le système d'alerte en cas d'incendie. Le système, une fois approuvé par le gouvernement, va alléger la tâche aux sapeurs-pompiers. J'ai mis en place un prototype qui va permettre d'envoyer un message à partir du module que j'ai monté pour alerter les propriétaires de la maison et la brigade anti-incendie. Alors, mon logiciel est en phase expérimentale. J'ai utilisé le module Arduino avec le module GSM qui va permettre que le module puisse envoyer des messages. Mais comme le projet est en cours, on va essayer de le mettre en pratique avec des matériaux appropriés. Ça peut coûter un peu cher, mais ça sera commercialisé avec l'autorisation de notre institution. Mademoiselle Divine Tatu Kasongo, après sa brillante exposée devant les éminents enseignants et professeurs, abordée par la presse, elle a souligné la détérioration de la vie socio-économique dans la ville de Goma, due au déplacement massif des populations fuyant la guerre du M23. Le déplacement massif de la population, la famine, l'insécurité grandissante qui ne cesse de terroriser la population de la ville de Goma. C'est ça la source d'insécurité? Non, je dirais que la source d'insécurité vient de nos minéraux, nos ressources minières, la balkanisation, ça vient aussi des ambitieux qui veulent de grandes possédés au sein de notre gouvernement.
Quelles sont les pistes de solutions que vous avez proposées? Il a proposé des conférences de paix, aussi de chercher un moyen de négocier avec nos agresseurs. Et aussi, j'ai proposé la déclaration ouverte de la guerre contre nos agresseurs. Mais aussi, économiquement, j'ai proposé un projet de résilience socio-économique en faveur des personnes victimes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. YSTGA Goma, qui est parmi les rares instituts supérieurs et universitaires de la ville de Goma, évolua dans ses propres bâtiments. Lors de notre entretien avec le chef des travaux, pasteur Joseph Kiaki Mwamulere, DG de l'STGA Goma, nous a révélé les innovations de son institution. Bon, actuellement, le ministère a déjà regroupé un domaine. Nous avons ici le grand domaine, c'est les sciences économiques et gestion. Et dans ce domaine, nous avons la comptabilité, nous avons la fiscalité douane accise, ça c'est vraiment le domaine phare. Et aussi nous avons maintenant ce qu'on appelle le domaine des sciences et technologies. Là nous nous intéressons aux réseaux et télécommunications. Donc nous formons des ingénieurs en réseaux et télécommunications. Et alors au niveau des sciences de l'homme et de la société, nous nous intéressons à la filière de développement et action humanitaire. Donc c'est ça. En bref, vraiment, c'est ce que nous organisons ici. Vous étiez aussi à la hauteur du système LMD? D'abord, il faut préciser que c'est un domaine, c'est un système qui vient sauver la jeunesse congolaise parce que le ministère a permis à ce qu'un jeune Congolais puisse gagner 2 ans. Avant, pour devenir licencié, il fallait 5 ans. Maintenant, il faut 3 ans. Et ce n'est pas à dire qu'on n'a pas enseigné tout. Le ministère a spécialiser chaque option. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons déjà la première promotion que nous présentons aujourd'hui comme la promotion LMD. Et cette promotion, pour moi, c'est positif. C'est-à-dire, cette fois-ci, nous avons vu des étudiants qui ont monté des projets, des maquettes. Il y a un étudiant qui a présenté aujourd'hui comment il peut protéger le parc national de Virunga avec des radars. Et il a monté ça, il a présenté des résultats confortables, ça nous a beaucoup intéressés. C'est comme ça que c'est vraiment des signaux positifs pour le système LMD. Ah, vous avez le message pour les finalistes du poste primaire qui peuvent, dont vous voulez aussi approcher ici? D'abord, c'est pour les conseillers. Quand ils vont choisir les universités, il faut bien choisir. Il y en a ici à Goma, mais ici à l'ISTGA, je pense que nous sommes pratiquement les meilleurs par rapport aux options techniques. Et nous, on donne à 3 ans, l'étudiant est capable de se faire lui-même son entreprise et créer vraiment son propre job. C'est-à-dire, pour moi, je le conseille de venir expérimenter, de s'inscrire ici chez nous. C'est mieux parce que dans 3 ans, ils sont capables vraiment de faire quelque chose. Vous avez les laboratoires? C'est pas tout. Nous avons un laboratoire de plus de 45 machines connectées à l'Internet. Et dans ces machines, il y a la bibliothèque en ligne. Si quelqu'un veut vérifier, il peut vérifier notre site internet, il va trouver la bibliothèque en ligne. C'est vrai, il ne peut pas lire parce qu'il n'est pas étudiant ici. Nous avons aussi les auditoires. On est aujourd'hui à 9 auditoires autonomes, de 250 étudiants par auditoire. Et nous sommes sur notre site, on n'est pas locataire ici. Les étudiants ont leur bureau, là où ils font des lectures personnelles. Et voilà, en tout cas, pour nous, on est aussi en train de construire de nouveaux auditoires. Si vous allez voir qu'il y a de nouveaux auditoires, c'est-à-dire on est bien préparé pour recevoir tous les étudiants. Signalons que l'ISTGA Goma, ses installations, se trouvent derrière l'Institut de Goma Instigo, à côté de l'Institut Mikeno officiel, en face de l'Institut Tupendane, dans le quartier Murara, commune de Karisimbi, dans la ville de Goma.